jodi an, nan deuxième cours, n'a pas parlé de la gamme. Pourtant, gen sa yon ton et demi-ton, nou pa ka fè yon étalage de la gamme, sans nou pa parler de ton et demi-ton. N'a commencé par le ton. Pourtant, pour définir le ton, n'a obligé de passer par la description de demi-ton. Demi-ton, c'est plus petit intervalle ou joigne de une note à l'autre. Par exemple, vous gagnez do et note qui vient joindre, qui vient après là, sans pas sauter un, rien, pas sauter pièce non. Ça coller avec là, les mêmes de do à lui-même, ça forme un demi-ton. Je reprends. Le petit intervalle qu'on joint entre do à note ça, c'est lui qui est le demi-ton. Note noire qui collé avec do. Hein. Si vous allez de façon ascendante, si vous montez, si vous descendez, le petit intervalle qu'on joint entre do à si, vous considérez bien, tu as parlé de ça déjà dans le premier cours. Hein. Donc, ça, c'est un demi-ton. Eh bien, si on compte demi, on va prendre un. On va prendre deux demi, kabao, un. Pour parler de un ton, on va prendre deux demi-tons. Oui, on va prendre deux demi-tons. Pour sortir de do, pour sauter, et ça qui picole avec qui a servi comme alors, comme demi-ton. Et deux notes ça qui picole avec qui a l'autre note qui picole avec notre noir là. Pour ça me dire, il faut bien en demi-ton tout. Mais on va additionner deux demi-tons, ça veut d'abord un ton. Donc c'est addition de deux demi-tons qui va un ton. Ou quand on va me dire plusieurs fois dans le cours. Pour qui ça? C'est une technique pour vous-même. Dès que vous finissez le cours, ça qui doit être dans la tête, tout doit être. C'est la raison ça qui fait que vous avez dit et vous avez dit. En façon pour vous finissez le cours, vous finissez regarder la vidéo, vous finissez une vision de cours. Et ça qui doit être dans la tête, il doit être. C'est ça qui fait, et bien, il dit plusieurs fois. C'est vraiment important. On a parlé de demi-ton et ton pour nous être capables d'atterrir dans la gamme. Mais, on nous fait coup d'œil d'abord sur ce qui est appelé gamme diatonique. Gamme diatonique, là, pour qui me voit avant, c'est parce que le plus simple et objectif quoi c'est faire capable de jouer sans solfège, sans pas besoin de perdre ton fond paquet de théorie. Et aller du plus simple que possible pour nous saisir parcours que nous avons besoin de saisir pour commencer à jouer. Lorsque commencer à jouer, nous sommes capables de faire une étape avec nous. Nous avons la gamme diatonique de do. L'homme dit de do, c'est parce que le parle de gamme diatonique, il a pour toute gamme, en général. Et mais la gamme diatonique de do, c'est une gamme qui gagne 5 tons et 2 demi-tons. La gamme diatonique de do, lui-même, il gagne 5 tons et 2 demi-tons. Bon, c'est à partir de là qu'on commence à bien comprendre la question du temps. On a parlé que l'intervalle est très clair et on va comprendre la question du demi-ton. Hein. Sans difficulté. Et ces figures, ça nous a gagné, nous avons parlé de notes duo, de notes de musique. Ou à songer, nous avons commencé par do, et fini encore, il était fini par si pour les 7 notes. Mais si nous avons défini la gamme de do, nous avons dit c'est une gamme qui commençait par un do, et qui a fini par un autre do. Et même si un do et un autre, par exemple, il est capable de finir par un do qui est beaucoup plus aigu. Et il y a d'autres qui sont beaucoup plus graves. Si on descend et si on monte, on peut joindre le bas atterri sur un dos qui est beaucoup plus aigu. Donc, ça dépend de la façon qu'on va monter gamme ou descendre gamme. Laissez monter ou monter gamme de dos, il a commencé par un dos et il a fini par un dos qui est plus aigu. Mais laissez descendre, il a commencé par un dos et il a fini par un dos qui est beaucoup plus grave. C'est facile à comprendre et c'est facile pour adapter où. Avec question de gamme diatonique de do. On va voir un petit coup d'œil encore. On dit la gamme
diatonique de Do, c'est une gamme qui gagne 5 tons. Ou après 5 tons et 2 demi-tons. Ok? En fond, détaillé tout petit. Sauti de Do à Ré, ou bien un ton, et on va pas bouger. Parce qu'on va pas gagner l'autre étape pour te franchir. Gain et petit intervalle toujours qui existait avant de joindre Do à Ré. Ok? Ou après gagner deux demi-tons de Do à Do dièse, de Do dièse à Ré. Do dièse, je vais vous comprendre après, pour que vous me souciez ça avec vous. Et ou après très facile. On aller plus simple que possible pour ne pas brouiller. De Do à Ré ou bien un ton. Et de Ré à Mi, ou bien un ton, ça fait deux tons. De Mi à Fa, ou bien un demi de ton. De Fa à Sol, ou bien un ton. De Sol à La, ou bien un ton. De La à Si, ou bien un ton. Et de Si à Do, ou bien un demi de ton. Donc là, on carré clairement les 5 tons et les 2 demi-tons. C'est vous-même qui formez la gamme diatonique. Et on pas même bien dit de Do parce que le contextuel là dépend de qui gamme. Parce que étude de gamme diatonique là, il va la pour telle gamme directement, mais la pour toute gamme. Yo. Pour qui ça? On ne pas des conseils sur question. Gamme Zarab dit là, c'est parce que n'y pas existé seulement la gamme de Do. N'y pas existé seulement la gamme de Do. Gagne aussi la gamme de Do dièse, la gamme de Ré, la gamme de Mi, la gamme de Fa dièse, de Sol, etc. etc., etc. Chaque grain note qui existait dans le parcours même, alors, il y a souvent dit yon gamme. Gagne 7 notes ou bien 8 notes, mais c'est pas vrai. Il gagne environ 12 notes là-dedans. Parce qu'il y a une note ou pas qu'à négliger. Et nous allons faire coup d'œil sur ça à pas. Les nous allons entrer tout de suite, pas trop longtemps, dans la description de la gamme chromatique. Donc, gamme de Do, nous allons avant, c'est pour faciliter pour saisir le son nouveau. Et le plus souvent et en majorité cours qu'il a fait dans plusieurs notes d'école, plusieurs autres instances pour apprendre la musique, surtout pour piano, on va toujours aborder avec vous d'abord la gamme de Do. Pour qui ça, c'est pour capable montrer la facilité qu'il gagne pour jouer musique, parce que n'est pas compliqué lui-même. On va prendre la gamme de Do à gagne seulement les touches blanches qui entrent là-dedans, soit pour monter la gamme de Do. Après seulement les touches blanches, y compris les touches noires, cependant, il n'y a pas qu'à rentrer la touche noire au bonheur pour ne pas brouiller l'élève là. C'est ça qui fait aborder la gamme de Do le plus souvent avant. Et regardez, si on sortit de Do à l'autre doigt, ok, ou après, par une touche noire qui va le déranger là, si on cite, on a dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Par les pièces touches noires qui vont nuire l'esprit. C'est raison ça qui fait au focus d'abord la gamme de Do dans l'enseignement, surtout via nous-mêmes pour aider pour comprendre et faire parcours là beaucoup plus vite que possible. Nous avons abordé ce qu'on appelle la gamme chromatique. La gamme chromatique, j'aime ta faire petit flash tableau avec vous, petit coup d'œil là. C'est yon gamme qui pas nan sauter note même du tout. La gamme diatonique, l'aime t'a répété note, j'aime de dit Do, Ré, de sauter Do dièse, non. La gamme chromatique là, ou pas sauter pièce note du tout. Ou commencer de Do, et mon qui collé avec la, ou entre la dan, ni compter la dan. C'est Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do.
Là, c'est la gamme chromatique. Gamme chromatique, c'est une gamme côté où réunit les 12 demi-tons de la gamme. C'est 12 demi-tons gamme yo, qui net yo compter la date, soit en tel ou en descendant, ou pas lui sauter pièce note, ou aller de demi-ton net, de demi-ton en demi-ton. Ou qu'à constater dans la gamme diatonique de Do, vous commencez par Do, et vous sautez Do dièse, qui va vous par contre, vous allez en demi-ton lié, ou allez tomber sous Ré, ou qu'à un ton, et ou de Ré à Mi, on l'entend encore, c'est seulement l'origine à Mi, pour aller en Fa, ou une bonne demi-ton, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous venez en Si encore pour aller en Do, et vous venez en demi-ton encore. Et c'est la gamme diatonique. Et pourtant, la gamme chromatique de Do, ou pas sauter pièce note. Au point de Do, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Ça, c'est pour la gamme chromatique de Do. Dans la gamme, il y a une pile importance dans Jean Notio arrangé dans le classement, j'ai placé le même numéro. Par exemple, en allant de la gamme de Do, où vous finissez par prendre Do, vous prenez Ré, vous prenez Mi, vous prenez Fa, ça faut respecter, après faut jouer Sol, après Sol, vous prenez La, ça vous devez respecter l'arrangement. Ça. Et c'est lui qui va la possibilité pour étudier avec vous les accords que nous avons pour nous, étude des accords. Yo bay chaque note yon numéro. Chaque note yon pote yon numéro, mais tout dépend de qui gamme qui en question. Puisque n'a parlé de gamme de Do, yon tout bay Do numéro 1. C'est le qui chef là, c'est le qui principal là. Yon bay numéro 1, et puisque Ré vient après, Ré pote numéro 2, Mi a bien numéro 3, Fa a bien numéro 4, Sol a bien numéro 5, et La a bien numéro 6, et puis Si a bien numéro 7. Donc, numéro ça, yo, pas négligé. Yo. Je vais l'utiliser, je vais le servir avec vous dans tout parcours que vous faites, surtout dans ce qui t'a regardé, dans ce qui t'a gagné pour vous avec accord. En plus de numérotation que vous faites pour notre yo, qui est dans la gamme, yo doté de chaque note yon nom selon degré. Selon degré. C'est très important. Hein? On dit tout selon position yo, yo bay yo chaque yon nom dans la gamme. En allez. Dans la gamme de Do, et puisque c'est Do qui est en question, yo reconnaît Do comme étant la tonique. Et puisque Ré vient après Do, l'une relais, la sustonique. Ré vient devenir la sustonique parce que les pires tout, le préfixe sus-là est en tout bagaille. Ok, les pires que Do, c'est monter la montée. D'accord? Do, c'est la tonique. Ré, la sustonique. Et Mi, c'est la médiante. L'une relais, médiante. Mi, une beauté non, médiante. Fa, lui-même, les mêmes côtés non sous-dominante. Les passer, les placer plus bas. Et si nous sous-dominante, c'est que mon capitaine après l'accès sol a côté non dominante. Et puisque là, les plus haut que sol, la côté non sus-dominante. Et là, le souci, il y a le non sensible. La sensible. Je reprends Do, c'est la tonique, Ré, la sustonique, Mi, la médiante, Fa, la sous-dominante, Sol, dominante, La, sus-dominante, Ré, Si lui-même à côté non, sensible, tonique, sustonique, médiante, sous-dominante, dominante, sus-dominante, sensible. Ouais, non, ça y est que vous baillez les noms de degré, vous n'avez pas la seule pour gamme de Do.
Et pour nous faire pas focus seulement la gamme de Do. D'accord? J'aime te dire là, puisque nous devons commencer par la gamme de Do, nous servir avec la gamme de Do comme panneau d'explication pour nous détailler pour cependant, ça nous montre que nous là pour toute gamme, nous selon qui gamme qui en question. Tu as l'air de dire à cause de ces deux gammes de Do n'a pas parlé, eh bien, nous doté Do comme numéro 1, nous le premier. Ainsi de suite. Mon qui vient après là, qui c'est Ré, c'est deuxième. Troisième, là, c'est Mi. Fa, c'est quatrième, là. Sol, c'est cinquième, là. La, c'est sixième, là. Et Si, c'est septième, là. C'est là où on va gagner octave, là. On va gagner huit notes, là, on va avoir le Do. On va gagner notre Do, qui va compléter, faire huit notes. Et pas oublier dans mon octave, pour jouer une octave, qui c'est octave. Nous, tout le monde, comme ça, il y a un octave syllabe, tout. Nous dépasser l'école de saisir bien pour eux. Et préfixe octo à bord, bon nombre là déjà. Pour qu'il y ait 8 barres là-dedans. Pour qu'il y ait 8 plans qui fait apparition correctement dans le préfixe octo. J'aime des là. Nous allons parler du octosyllabe, pour qu'il y ait une explication, car bien saisir ça m'a dit là. Et bien, en dans une gamme, ou bien une octave, en dans une octave surtout, là, qui bon. Dans l'octave, vous avez 8 notes de Do à Do. Et quelqu'un qui m'a défini, par exemple, si vous définissez la gamme de Do, ou plus simple, quelqu'un qui définit comme étant une gamme qui commence par un Do et qui finit par un Do. Je ne t'ai dit au début. Donc, 8 notes, ça, vous n'avez pas quitté au verbal, vous numérotez, et puis vous avez un nom selon degré, selon position. Si c'était femme qui a gagné. Si c'était femme qui a gagné, comme gamme choisie, comme gamme en question, c'est fa qui t'a tonique. Je pense que vous comprenez. Et Do vient porter notre tonique parce qu'on a parlé de la gamme de Do. Donc, et ma boucle pour me faire connaître que non, ça y est, vous pouvez servir avec vous en pile le Walpalo de accord. Surtout pour la formation des accords, qui j'aime pour construire accords. Étudier accords, apprendre accords par cœur, pas qu'on suffit non. Mais lorsqu'on est même, ou qu'on qui j'aime faire, ou qu'on mécanisme, la pédo, lorsqu'on crée même, ou qu'on qui j'aime été fait, ou surtout les constituantes de l'accord, ou qu'on détaille, ou à l'aise. Et sur n'importe qui gamme qu'on jouer, pour qu'on joue un accord besoin, sans difficulté aucune. Donc, nous avons fait une petite révision tout petit pour vous. Nous avons parlé aujourd'hui hein, de la gamme de Do. Et nous avons servi avec une définition qui est plus simple que le monde baille. La gamme de Do, c'est une gamme qui commence par un Do et qui finit par un Do. Nous avons fait tout pour vous, la différence entre la gamme diatonique et la gamme chromatique. La gamme diatonique, les gagnent 5 tons et 2 demi-tons, tandis que la gamme chromatique lui-même les gagnent tous les 12 tons et répéter la demi-tons, tous les 12 demi-tons et répéter la donne. Ça veut dire ou leur monter ou pas sauter en elle-même ou appliquer tous les demi-tons. Ça c'est pour parler de la gamme chromatique. Et nous t'ai abordé aussi tons et demi-tons. Nous te même faut qu'on ait pour nous jouer une définition de ton, faut nous passer par la définition de demi-ton. Et demi-ton qui s'allie, c'est plus petit intervalle qui vient entre un note à un autre. Et mon qui plus petit, comme qui picole avec notre qui picole avec lui. C'est plus petit intervalle parce que après telle note, c'est telle note qu'on joue. Sans pas sauter bien, sans essayer telle note qu'on joue. Et donc, plus petit intervalle qui vient entre deux notes, ça c'est une définition pour un demi-ton. C'est très simple. Et si je veux parler de ton, je vais prendre deux demi-tons pour avoir un ton. Nous avons parlé aussi de nom qui est baillé selon le degré. Mais d'abord, nous avons dit que nous avons dit un numéro. Et numéro, c'est tout dépend de qui gamme qui est en question, de qui gamme a parlé. S'il a parlé de la gamme de Do,
et bien, il y a tout bail do numéro 1. Si on parle de la gamme de fa, de la gamme de sol, si sol c'est la gamme préférée que nous avons parlé de lui, et bien, sol tapote numéro 1. Non, on a dit que numérotation contextuelle. Numérotation audio contextuelle, c'est tout dépend de qui gamme. Et enfin, nous te parlons tout de nom de degré que vous avez. Pas oublier, nous te disons, vous pas fait pour mon gamme fixe, vous avez pour toute gamme. Les noms de degré, vous avez selon gamme que vous avez parlé. Et puisque vous parlez de la gamme de Do, vous prenez Do, vous avez la tonique. Ré, la sustonique. Mi, la médiante. Fa, la sous-dominante. Sol, la dominante. La sus dominante, si sensible. Donc, nom de classement, ça, nom de degré, ça, il y a un débat important pour vous. Parce que vous avez besoin, le prochain coup, nous allons parler de accord, de la formation et de la construction des accords. Que j'ai accord construit, que j'ai formé. Et de vous prendre racine là, vous êtes à l'aise pour jouer, vous êtes à l'aise pour jouer un accord sur n'importe quelle gamme pour jouer. Vous avez toute garantie pour être branché pour vous et mettre le piano disponible. Nous avons besoin de porter un peu l'attention avec des détails que nous n'avons pas aujourd'hui parce que c'est une qui doit être dans la tête ou l'image ça doit être dans la tête ou détails sur ce bail là, vous êtes à l'aise pour parler l'autre monde. Et essayer de faire, quand j'en l'autre monde, faire un petit débat sur lui. Et ça fait, l'autre monde qui prend ou partage la vidéo avec la bombe, il finit de regarder, il finit de regarder, et ensemble, nous faisons un petit débat ensemble pour nous faire ce que nous bien qu'un B contenu court. Ok? Donc, mettez le piano disponible parce que le troisième courant, on a besoin de piano devant nous pour ensemble nous faire des réactions dans le cours que nous allons. Obligatoire, nous avons obligé qu'on piano dans le troisième courant pour pouvoir bien saisir ça nous vient pour parler pas obligément et au besoin non seulement partager avec votre ami mais il faut like et il faut commenter et non pas pour abonner encourager pour abonner que vous avez bien et que vous avez d'eau pour bien saisir pour et tic à pour avancer ensemble.